Care Jagat Singh Training Center, qui trouve à Beaubassin, c'est un parmi les centres de formation de MITD. Ici, pareil comme dans les autres centres de MITD, les élèves ont encadrement académique et en même temps pratique dans l'industrie qui prépare pour le monde du travail. Le Care Jagat Singh Training Center, c'est un centre du MITD qui est spécialisé dans les filières construction, building construction. Et le centre fait plusieurs cours. Donc, on a par exemple plumbing, electrical installation, welding, wood technology, building construction, aluminium, painting. Et nous avons un cours spécial qui nous fait que des scaffolding. Ça, c'est pour une personne qui travaille déjà. Et nous avons encore lancé un nouveau cours, NC4 dans draftsmanship, que des dessinateurs. Et ensuite, nous avons building construction, supervision. Ça, c'est un nouveau cours qui nous fait. Nous avons un nouveau cours qui est là, c'est le NC3, NC4, NC5. Alors, juste pour gagner une idée sur l'équivalence qui est là côté académique, donc NC3 est l'équivalent, donc l'équivalent SC, NC4 est comment dire lower 6, NC4 est HSC back ou bien HSC Pro. Donc, ce cours là permet aux enfants de gagner un steady path. Je peux faire NC3, NC4, et par la suite, je suis capable de faire diplôme dans les autres centres, par exemple à KBDC. Le mode qui nous offre un cours, c'est à plein temps, full time, ou bien sous apprentissage, ou bien part time si nous faisons. Un cours là, il dure un an, et un entry requirement, c'est côté NC3, c'est soit un enfant qui fait NC2, ou bien il fait jusqu'à full 3, ou bien une qualification acceptable au MITD. Pour les NC4, donc nous promouvons nos bons élèves, je veux dire, bons élèves ont un NC3. Et sinon, je veux dire, on a forme 4, forme 5, c'est ce qu'on a rentré. Pour le niveau NC5, donc là aussi, pareil, nous promouvons nos bons candidats. Donc, bons candidats ont besoin d'un NC4 dans les filières. Et plus tard, nous avons l'intention de faire un diplôme aussi. Pour les cours NC4, ici aussi, nous promouvons nos bons élèves. Donc, pour rentrer dans NC4, vous avez besoin d'un NC3 ou bien de la Form 3 avec l'expérience. Pour le coup, NC5, ici aussi, nous promouvons nos bons élèves. Donc, nos bons élèves ont besoin d'un NC4 dans les filières. Et par la suite, je suis capable de continuer toute l'étude, je suis capable de faire un diplôme. Nos bons cours, un recrutement est en cours. Et nous invitons les élèves pour venir faire application. Donc nous là, dans la semaine, on a 8h à 3h. Et nous pouvons attendre. Je m'appelle Ingrid Asie, je suis 19 ans. Quand je finis ma forme 5, je suis cours électrique à KBTC. Je fais mon NC3 là-bas. Ça fait maintenant un an et demi que je suis dans cette filière-là. Et maintenant, je viens faire mon NC4 à ce Jagat Singh, ici, à Beaubassin. Et bien, c'est une expérience pour moi. Puis, mon envie de continuer dedans et une grande opportunité aussi. On apprend beaucoup de choses pendant l'année que je fais mon NC3. Je grandis, je prends maturité parce que là, je me rends compte que bientôt je suis dans le monde du travail et comment mon besoin était, comment mon besoin faire avec les autres, nous ensemble, nous et nos camarades, nous entraider. Et bien, c'est une grande opportunité pour moi et une grande expérience aussi qui me vit et mon vie continue dedans. Je grandis dedans dans la filière électrique. Mon vie continue dedans. Dans électrique, ce qui me apprend, c'est que à partir de ben petits composants, nous sommes capables de faire beaucoup de choses, ben circuit. Nous apprendre que à partir de ben petits composants là, nous sommes capables de construire ben grand chose vraiment. Nous faire ben circuit caméra, alors il y a beaucoup de choses encore. Mais qui parfois nous parle à nous compte que c'est grâce à l'électrique, ben, composant comme ça, qui nous peut réussir à faire des choses. Là. Après, j'ai envie de faire mon diplôme
et devenir un technicien, travailler peut-être CEB, soit dans une usine comme technicienne. Mais bon, on veut continuer dedans. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.